Bonjour ami Scorpion, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois de juillet. Même si vous êtes une majorité de femmes à regarder ma chaîne, sachez que c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, hein, voilà, comme d'habitude. Alors, on commence. Vous avez deux jeux ici, le Symbolon et le Tarot de Marseille. Je vais d'abord retourner les cartes du Tarot de Marseille pour tenter de comprendre... De comprendre tout ça, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, on va regarder un peu ce qu'il en est ici. Alors, la première quinzaine du mois, on a le 5 de coupe. Il va être question de guérir quelque chose qui a été peut-être triste, qui a été un peu éprouvant. Il est possible, les scorpions, que sur le mois de juin ou les derniers mois, vous avez fait des plans, vous avez travaillé dur, vous avez bien organisé, et puis blanc, voilà. Tout n'a pas fonctionné. Et cette première quinzaine du mois de juillet, ça va être un petit peu pour régler ces soucis-là. Votre défi, c'est la reine d'épée. Donc, quels sont un peu ces défis comme ça? Ces défis, ça va être bien évidemment la reine d'épée, pour moi, c'est l'éloquence. Il y a quelque chose sur le fait de parler, de s'exprimer. Il est possible aussi que vous êtes capable, les scorpions, de vous montrer féroce, de défendre ce que vous estimez juste et de venir en aide auprès de ceux qui ont besoin de vos protections. Et ça, c'est vrai qu'il y a un côté très guerrier, là, les scorpions, qui ressort. Votre force. Alors, votre force principale, est ici représentée par le diable. Alors, vous allez dire, c'est très étonnant, effectivement. Mais il est possible aussi que... Vous devez aussi contrôler un petit peu vos tempéraments. Hein. Les scorpions ont un tempérament assez explosif. Bon, la vie sentimentale et la vie privée, on a l'étoile. Comme le bélier, à la même place. Donc l'étoile, c'est la protection de votre vie privée, la protection de votre vie sentimentale. Maintenant, vie professionnelle et vie matérielle. Alors, c'est le 10 de denier. Bon, matériellement, il va être question de régler peut-être pour certains des finances qui seraient liées à un héritage, de dialoguer avec une femme de loi, mais en tout cas, il y a une protection, c'est lié à la famille. Socialement, c'est la papesse. Bon, socialement, vous n'allez pas être très social, les scorpions, non, mais c'est plutôt voulu. Vous avez besoin d'être chez vous, de vous recentrer sur vos habitudes du quotidien. La papesse est dans un lieu clos et elle l'accepte. Spirituellement, on a ici un 3 de denier qui est inversé. On peut voir un blocage créatif qui peut être lié par exemple à un problème dans l'immobilier. La dernière quinzaine du mois, j'ai le roi d'épée. Donc sur cette dernière quinzaine du mois, il va être question, voilà, vous avez guéri la première quinzaine et la deuxième quinzaine, vous êtes plutôt dans une phase d'ambition. Peut-être, voilà, vous avez pu échouer en juin, mais ça ne vous fait pas peur. Vous avez envie de continuer. Maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde chaque carte et je regarde les cartes qui ressortent en priorité ici pour moi. À partir du 21 juillet, il y a un changement qui est en train de s'effectuer dans votre vie privée parce qu'il y a un changement de pleine lune. Il y a la pleine lune en Capricorne. Qu'est-ce que ça évoque pour moi? Beaucoup de choses. On va voir que... Votre force à vous, ça va être de résoudre une personne, une tierce toxique qui a pu séparer un couple, par exemple. Ça, c'est très important. Et on voit qu'avec l'étoile, il y a une protection. Et de toute façon, voilà, vous êtes protégé, donc ne vous inquiétez pas. Et vous décelez, vous. Là, le diable, on le voit. Donc, vous voyez qu'est-ce qui est toxique. Vous comme l'autre. Donc, on voit quand même deux personnes... heureusement et de façon protégée qui se complètent parce que ces personnes sont intellectes. Il y a la papesse qui représente la lune. Il y a quelque chose d'important. La lune, c'est tout ce qui est lié à la vie privée. Ça peut être aussi la famille, pourquoi pas la famille éloignée. En tout cas, on sent que vous allez suivre votre instinct qui vont vous mener vers les gens et les lieux et peut-être aussi vous conduire à un niveau supérieur de savoir. Vous désirez savoir quelque chose et il est possible que vous allez connaître la chose. Alors, on continue maintenant. Donc, la suite de mon travail, ça va être d'assembler les cartes entre elles. Alors, déjà, on a des épées. Reine d'épée, roi d'épée. Donc, les épées, c'est les défis. Donc, sur la deuxième quinzaine du mois,
On sent que vous êtes, voilà, vous êtes prêt à vous lancer dans le défi, dans quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous tient à cœur. Pour certains, ça peut être aussi un défi par rapport, par exemple, à un couple séparé. Résoudre quelque chose, vous défendre sur quelque chose, un tierce. Voilà, un couple surtout, donc, ça serait pour les scorpions qui sont en séparation. Voilà, donc que vous souhaitez ou pas vous mettre avec cette personne, il est important de découvrir ici que vous avez besoin de réparer quelque chose. On a des personnages, la reine, la papesse et le roi d'épée, une triangulaire. Donc oui, il y a des discussions importantes, notamment dans la vie sociale. Alors, qu'est-ce que l'on peut envisager ici? J'ai l'impression que ça fait trop longtemps que finalement on veut vous mettre dans une case et ça, c'est quelque chose que vous ne supportez pas. Surtout dans votre façon de vivre les choses, dans vos relations un peu voilà, sensuelles, etc. Il est possible aussi que, alors ça va parler beaucoup aux célibataires, vous avez une opportunité d'être avec quelqu'un et à chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas. À chaque fois, vous vous dites, c'est que des relations sensuelles, sexuelles, ça ne va pas plus loin. Pourquoi? Finalement, vous avez peut-être, on veut avoir tendance, finalement, à vous mettre dans une case. À vous mettre dans une case, de vous dire, bon, oui, on a envie de relations sur le long terme, mais c'est pas aussi sévère que ça. On veut vraiment vous mettre dans une case, du coup, vous mettez la pression et ça peut créer des complications. Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui vous juge, mais cette personne n'a pas la même vie, cette personne est peut-être plus casanière et vous n'avez pas, on va dire, de compte à rendre parce que c'est chacun un peu voit midi à sa porte. Voilà. Alors, la reine et le roi aussi, là, ce qu'on peut nous dire. Sur la deuxième quinzaine du mois. Il y a la possibilité d'une union. Ouais, il y a enfin une union qui réussit parce que vous détectez ce qui est négatif. Donc, si vous voulez vous battre pour résoudre, pour vous mettre en couple avec quelqu'un ou pour persister, sur la deuxième quinzaine du mois, vous pourriez obtenir d'excellents résultats. On a des arcanes majeures, le diable, l'étoile et la papesse. Donc, des faits majeurs qui vont concerner la vie sentimentale, donc célibataire ou pas, donc ça c'est très important. Avec le diable, on voit qu'il y a beaucoup de magnétisme, beaucoup de charisme, beaucoup de sensualité et de séduction. Vous allez plaire. En couple, quoi qu'il en soit, avec l'étoile, c'est la protection, rassurez-vous. Si vous êtes célibataire, si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que il faut pas avoir honte parfois de ça, des désirs que l'on peut avoir. Vous êtes très autocritique avec vous-même et ça peut bloquer un petit peu les choses en fait, en quelque sorte. Ok. On a les deniers ici, 10 de deniers et 3 de deniers, même si c'est inversé. Donc les deniers évoquent beaucoup des choses matérielles, des choses concrètes. Alors, concrètement, matériellement, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Vous pourriez vous attendre à une rentrée, donc toujours sur le thème des finances, à une rentrée d'argent inattendue. Alors, pour vous, il y avait un blocage, il y avait quelque chose qui était bloqué depuis longtemps, vous pourriez même pas penser que les choses pouvaient se débloquer aussi rapidement. Donc, effectivement, il y a ce côté un petit peu inattendu qui ressort. La papesse, comment les positionner ici? Ça me donne quand même ça me donne des indices voilà, assez intéressants. Donc, il est possible que si vous êtes célibataire, il n'y a pas vraiment du célibat, il y a la possibilité d'une liaison secrète. Quoi qu'il en soit, si vous vivez dans cette période-là, vous êtes dans une période de bonheur et de chance. Il est possible aussi que si vous êtes heureux en amour, vous préférez garder la relation secrète justement pour protéger votre couple. Donc il y a ce côté à pas vouloir aussi, quoi qu'il en soit, étaler sa vie sentimentale sur la place publique. Pourquoi? Parce que vous sentez que vous êtes dans une période favorable et vous n'avez pas envie de retomber dans une période défavorable. Donc il y a ce côté un peu superstitieux à vous dire que si vous dites que vous êtes heureux en amour, il y aura du retard. Donc on va vous sentir très silencieux. On a le 2, on a le 3 ici. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Parce que c'est même si le 3 est inversé, ça nous parle d'une chronologie, d'une suite d'événements en quelque sorte. Alors, il est question, alors ça a beaucoup parlé aux célibataires, encore les scorpions, d'analyser une immaturité affective ou un désordre un peu sexuel. Bon, d'une,
Il est possible aussi que il y a une femme de votre famille qui peut occuper un poste à responsabilité dans un domaine artistique. Et cette femme, peut-être qu'elle peut vous faire confiance, mais elle peut soit vous trouver immature, soit votre vie sentimentale, soit vous n'êtes pas en couple, soit vous êtes voilà, trop volage, soit vous êtes... Voilà, il n'y a jamais rien qui va. Et ça peut un peu vous gonfler. Donc c'est un petit peu, on va dire, un challenge vachement, j'ai envie de vous dire, très compliqué ici, en fait, en quelque sorte. Donc, vous avez l'impression que il faut rendre des comptes, et ça, c'est quelque chose qui peut un petit peu vous perturber. Donc, vous, par exemple, ça peut être même sur le début du mois, si vous êtes en célibataire, cette personne va critiquer le fait que vous êtes célibataire, va dire, mais c'est parce que t'es trop ci, t'es trop ça. Et vous, ça, c'est quelque chose qui vous perturbe. Donc, vous, le défi, c'est que c'est quand même une femme qui est compétente et qualifiée, mais sur le domaine professionnel, peut-être pas pour juger votre vie privée. C'est quelqu'un de très proche, en plus, vous n'avez pas envie de spécialement vous disputer. Sachez que vous êtes dans un tournant de votre vie professionnelle, donc c'est vrai que vous allez quand même écouter ce que cette personne a à vous dire, même si vous ne savez pas quelle décision prendre. Mais sachez que sur la deuxième quinzaine du mois, il y aura une autre personne aussi compétente et qualifiée qui pourra peut-être vous donner un autre aperçu. Et finalement, si les choses prennent du retard, c'est parce que vous allez peut-être même vous retrouver face à deux choix. Ça, c'est vraiment, on va dire, l'aspect le plus incroyable. On a le roi d'épée, la reine d'épée, qui peuvent parler de couple aussi également, hein, donc ça c'est intéressant. Donc ça pourrait parler, alors, sur la deuxième quinzaine du mois, ça serait plutôt un message pour ceux qui sont en séparation ou en divorce. Vous savez que vous devez vous défendre. Voilà, ça c'est important. Sur tout le mois, vous devez vous défendre sur ce que vous faites. Donc il y a des démarches, la possibilité de démarches officielles. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que vous n'êtes pas très serein face à certaines situations. Bon, on va regarder le reste. Maintenant, et ça c'est très important, on va regarder la première ligne, celle que vous voyez à partir du 5, qui va parler de surprise. Et à partir de l'étoile, ça va être la ligne qui va plutôt vous donner des réponses par rapport à certaines de vos attentes. Alors, on commence avec la surprise. Donc la surprise ici, elle part du 5 de coupe. Ouais. Alors, je suis en train d'analyser. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y aura une bonne surprise. Vous pourrez compter sur un partenaire qui peut vous apporter beaucoup de bonheur et qui sait être à votre écoute, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc, rapidement, il y a quelque chose au niveau de l'amour qui peut vous apporter beaucoup, beaucoup de douceur. Cependant, il y a une femme qui est liée au monde professionnel, peut-être même un peu à la vie privée, plutôt aux cheveux bruns, qui pourrait tenter d'abuser de votre gentillesse ou qui est très ambitieuse. Et cette personne, elle va critiquer un peu votre vie sentimentale. Et ça, c'est quelque chose qui, honnêtement, va vous perturber, va même, excusez-moi du terme, vous gonfler. Donc vous êtes prudent par rapport à vos actions. En fait, cette personne peut vous critiquer sur le fait que vous êtes trop impulsive ou impulsif. Par exemple, vous tombez amoureux, et bien cette personne va dire que vous êtes trop fleur bleue, que vous courez à votre perte, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui vous perturbe parce que les scorpions, vous voulez pas totalement lâcher prise. Peut-être aussi que vous pourriez vous engager dans une relation avec une personne aux cheveux bruns foncés qui est déjà dans une autre relation sentimentale ou qui est en train de se séparer. Et on a cette personne, cette femme qui va vouloir vous critiquer parce que vous faites les choses à l'envers. Donc vous, c'est vrai que d'une certaine manière, ce qui vous a plu au début, c'est quand même que c'est une personne très douce qui a su vous apporter le bonheur escompté. Donc après, bien sûr, c'est la notion du libre arbitre et moi, je ne pousse jamais personne à séparer des couples. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas concevable. Mais sans même parler de couple, d'être dans une triangulaire, on peut parler du fait que vous êtes, par exemple, vous allez tomber amoureuse ou amoureux d'une personne qui a des enfants, qui a été engagée, et autour de vous, on va critiquer, on va dire que vous perdez votre temps, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, hein, ce qui ressort ici. Alors, dans vos attentes, j'ai l'impression que vous attendez un succès professionnel, et là, j'ai l'impression que vous allez avoir une reconnaissance. Voilà, vous allez avoir cette reconnaissance souhaitée d'un point de vue professionnel, surtout sur quelque chose que vous avez peaufiné, travaillé depuis longtemps, quelque chose qui peut être lié à tout ce qui est immobilier, pierre ou créativité.
C'était long. D'ailleurs, on pensait que vous foutez rien. Et puis finalement, on se dit, mais cette personne, elle a travaillé dans l'ombre et il y aura une reconnaissance publique. Alors, on continue. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte en détail et je vais compléter avec le symbolone juste dessous. Donc le 5 de coupe. Ouais, j'ai l'impression que la tierce, sur le début du mois de juillet, vous l'avez pas, au niveau sentimental, vous ne l'avez pas encore assimilée, en quelque sorte. C'est une personne, on va dire, très jalouse, très mauvaise, mais vous n'avez pas encore vu les stratégies un petit peu de cette personne. Heureusement, aux innocents, les mains pleines, parce qu'il y a une protection avec l'étoile juste en dessous, ici. Ouais, il va être question de réparer un cœur brisé parce que vous avez l'impression d'être manipulé. Alors pour moi, il y a une personne qui vous manipule, c'est ce diable, ça peut être sous la forme d'une femme qui n'est pas encore visible. Et cette personne vous manipule bien sûr en cachette et il est temps d'ouvrir les yeux par rapport à tout ça. Donc effectivement, on a cette femme qui vous manipule. Cette personne ne souhaite pas votre réussite sociale, mais vous allez vite découvrir son stratagème, ça c'est important. L'éloquent, c'est une personne qui sait parler, qui sait manipuler, qui sait flatter. Mais pas dans le bon sens du terme. La force. Bon, votre force, elle est un petit peu diminuée, mais heureusement, vous vous êtes peut-être aussi inconsciemment, hein, bien sûr, éloigné de cette personne. Et le fait de vous être éloigné de cette personne, d'avoir retrouvé un peu votre part de spiritualité, ça vous fait du bien. Et ça va vous permettre finalement de retrouver la personne de votre cœur. Ouais. J'ai l'impression que la vie est un test, mais quand vous êtes comme un croisé face à l'amour. Quoi qu'il en soit, les scorpions, vous avez envie de vous battre pour l'amour. Sentimentalement, vie privée. Vous êtes protégé face aux actions des fourberies de cette tierce, même si vous ne savez pas encore qui c'est. Vous êtes protégé et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui peuvent vous soutenir dans vos choix sentimentaux. Beaucoup plus que ce que vous ne croyez. Donc au niveau de la vie privée, vous allez retrouver une sérénité. Pour moi, il y a la présence d'un ange gardien qui apporte de la douceur. Vie matérielle. Ça peut être aussi vie professionnelle. Donc effectivement, il y a une reconnaissance. Ça, c'est important. Vous êtes éloigné d'une personne négative et voilà, vous allez vous dire, il y a plus de personnes qui reconnaissent votre travail et ça, c'est très important. Et d'une certaine manière, vous allez peut-être aussi pouvoir avoir l'opportunité de réussir, travailler à domicile, etc. Donc vous arrivez aussi à une victoire, un cycle financier. Ça va être peut-être le moment de créer une famille, d'agrandir la famille, parce qu'il y a une tranquillité financière. La vie sociale. Socialement, vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, vous sortez pas beaucoup, mais voilà, c'est parce que vous avez vu les stratégies d'une personne, ça vous a un peu dégoûté et vous avez besoin, tout simplement, de vous reconstruire. Vous avez peut-être aussi besoin de régler des choses, vous vous sentez comme bloqué dans un appartement, dans une maison, dans quelque chose de l'immobilier et vous êtes plutôt occupé à essayer d'en sortir. Donc socialement, il y a une femme qui pourrait vous parler en tête à tête, mais cette personne ne pourrait que vous accuser ici avec la carte de l'inquisiteur. Ça, c'est pas quelque chose bien sûr qui est agréable. Ensuite, alors spirituellement, j'ai aussi ce sentiment que vous allez être très intéressé par tout ce qui est lié aux symboles. Ça peut être des symboles culinaires, ça peut être les chiffres, ça peut être les lettres. Mais voilà, il y a cette facilité à décoder, à avoir un esprit très affûté ici. Alors, ouais, parce que ça c'est inversé, je vais le mettre droit. Vous avez aussi ce côté non matérialiste qui ressurgit ici. Ouais. Il y a ce côté non matériel. En fait, j'ai l'impression que vous devez guérir de quelque chose qui est difficile, qui est lié à la famille. Peut-être aussi qu'il y a eu ce sentiment d'un sacrifice qui est lié par rapport à un héritage ou quelque chose. Et vous sentez qu'il faut purifier quelque chose dans ce domaine. Sur la dernière quinzaine du mois, qu'est-ce que j'ai ? Sur la dernière quinzaine du mois, vous vous posez des questions face au doute d'une personne. Est-ce que cette personne tourne sa veste ou pas ? Il y a quelqu'un qui joue un peu double jeu, mais pour moi, cette personne, en plus est à l'endroit, joue plutôt double jeu en votre faveur ici.
Ouais. C'est une personne très froide qui ne montre pas ses sentiments. Pourquoi cette personne ne montre pas ses sentiments? Parce que tout simplement, cette personne a l'air très ambitieuse, mais c'est une personne qui est comme une reine de glace, qui cache beaucoup de sentiments et d'émotions difficiles. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite un très bon mois de juillet. Au revoir.